un camion, ça sert à rien, il te prend et te dépose. Non, il faut voir plus grand. Un pépère avec un gros portefeuille. Dans une bagnole très rapide avec un siège arrière. Alors je grimpe à côté du type. Toi, t'es à l'arrière, je lui raconte une ou deux blagues. Ensuite, je dis, Perry, passe-moi une allumette. Ça, c'est ton signal. Tu le cravates et tu l'éteins pendant que je prends le volant. Puisque tu es si calé, assieds-toi donc à l'arrière et fais-le toi. Sois plus souriant. Pas le signal, passe-moi une allumette. Hey, grimpez les gars, où allez-vous? On vous emmène. Pas avec vous. Merci quand même. T'as vu ces mecs? Dis donc, c'est eux qui nous auraient volé. Volé quoi? Pas le droit de prendre des passagers dans la voiture de la société, mais... Oh, vous avez raison, on ne vit qu'une fois. C'est ce que j'ai toujours dit. Mais pas trop mal à l'arrière. Je peux vous emmener jusqu'en Iowa. D'où venez-vous comme ça? Du Mexique. On n'a pas d'avenir là-bas. Ça dépend, mon ami. Mon voyage de noces s'est passé à Mexico. On peut dire que c'est là où j'ai planté la semence de l'aîné de mes enfants. J'ai labouré et planté quelques señoritas, moi aussi. Vous connaissez celle-là? Vous savez comment on appelle une prostituée qui n'a pas d'instruction? Non, comment? Une analphabète. J'en connais une devinette. Oui. Bon, vous y êtes? Dites. Pourquoi? Quand un type se pointe au water, c'est exactement comme s'il se pointait au cimetière. Hein? Attendez, voyons. Un type qui se pointe au water, c'est comme quand il se pointe au cimetière. Hein? Vous avez votre langue au chat? Oui. Quand on doit y aller, hein? On doit y aller. Hé, Perry, passe-moi une allumette. Vous permettez? Je ne refuse jamais de prendre un soldat. Comme ça, il fêtera peut-être Noël en famille. Il a du paume. Oui, ça, tu l'as dit, ça tient du miracle.